Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Alors, je vous fais aujourd'hui une vidéo un petit peu amusante, alors qui ne va pas amuser tout le monde, mais j'aimerais bien que vous la preniez au second degré. C'est très très important de prendre les choses parfois au second degré. Voilà, du coup, j'ai perdu mon compte. Alors, le titre de la vidéo, « Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes ». Vous avez pu voir depuis un an et demi à peu près une nouvelle mode qui en a chafouiné quelques-unes parce que elle ne voyait pendant quelque temps. Alors je ne vous laisse jamais dans le mystère bien longtemps. Voilà, une miniature avec une pelote et un crochet. Voilà. Quand j'ai vu arriver cette mode qui est partie de Russie. De Russie, c'est parti dans les pays sud-américains, chez les pays hispaniques, au sud de l'Amérique. Puis, c'est parti en Turquie. Puis, bien évidemment, c'est arrivé en Europe. Et bien évidemment, ça a révolutionné la façon qu'on avait de présenter les ouvrages. Comment ça a révolutionné? Par deux choses. La première, c'est que moi, j'avais pas l'habitude. Je m'étais regardé toutes mes vidéos depuis le début. Il y avait toujours la vidéo de l'ouvrage mis dessus. Et puis, ça vous a chafouiné à vous, à quelques-unes d'entre vous, disant oui, mais c'est pas normal, on voit pas l'ouvrage, on voit juste la chose. À quoi j'ai répondu pour m'amuser? Je vous ai répondu, mais c'est un petit peu comme à Noël. Quand vous avez le paquet cadeau, vous savez pas ce qu'il y a dedans, vous êtes un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se faire? Mais qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, vous êtes un petit peu curieuse de savoir. Quelque part, ça vous excite un petit peu, sans le savoir, de ce que vous allez découvrir ou pas. D'accord? Bon, néanmoins, je suis partie sur le principe, j'ai vu des chaînes où il y avait vraiment 300, 400 miniatures avec uniquement une pelote et un crochet. Je trouve ça abusé parce qu'au bout d'un moment, quand même, quand les gens, et c'est pas faux hein, ce que vous me dites. Alors, néanmoins, sachez que, à 90% du temps, si vous allez sur Facebook, sur mon groupe, non pas sur mon groupe, pardon, sur ma page Facebook, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous y abonner. Vous avez l'ouvrage, peu importe, il y a toujours d'abord l'ouvrage. C'est le lundi à 9h du matin, vous avez l'ouvrage complet. Vous l'avez, ou alors sur Instagram aussi, l'ouvrage est complet. Il n'y a que sur YouTube, parce que YouTube c'est particulier. YouTube, c'est vous qui décidez. Et ça, vous ne le saviez pas. Le fait est, c'est que vous ne le saviez pas. Parce que vous êtes des coquines. Vous marronnez, mais en fin de compte, vous aimez bien les cadeaux. Vous aimez bien les surprises. Et je vais vous donner la preuve. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir une preuve visuelle officielle. Comme je vous le disais, cette mode venant de Russie, passant par le sud de l'Espagne, le sud de l'Amérique, passant par la Turquie, arrivant en France, ça faisait que, ben, tout simplement, les miniatures avec les ouvrages directement dessus fonctionnaient moins bien que les miniatures avec le paquet cadeau. Voilà, vous étiez moins enchanté par ce qu'il y avait dans le paquet cadeau. Vous saviez déjà ce qu'il y avait, comme si qu'à Noël vous aviez tous vos paquets cadeaux dans des paquets transparents. C'est moins amusant. Donc apparemment, c'est ce que vous ressentez, c'est votre ressenti. Mais ça, moi, de mon côté, je ne le comprenais pas. Voilà, donc je m'empresse toujours, et je le fais toujours, dans la journée, le soir, le lendemain ou plus tard, je laisse très peu de temps la miniature de la pelote et du crochet. Et au moins, je me dis, mais c'est pas possible. Mes petites abonnées marronnent, mais d'autre côté, elles aiment bien parce que c'est étrange. Et YouTube nous a très récemment fait une proposition qu'ils ont mise en place. Ils nous ont proposé de mettre 3 miniatures. Je fais ça depuis approximativement 2 mois maintenant.
Vous ne le savez pas, je vous en avais pas parlé, mais là c'était tellement flagrant, il fallait à tout prix que je vous le montre, parce que il fallait d'abord que je voie les résultats de ces tests que YouTube faisait pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir vous dire, écoutez, voilà, en fin de compte, certes, les créateurs de contenu sont responsables de leurs miniatures, mais en fin de compte, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous préférez ou pas. Donc, tout ça pour vous dire que depuis 2 mois à peu près, YouTube nous donne la possibilité, quand on fait une vidéo, quand on crée une vidéo, de mettre pas une, mais 3 miniatures. Ces 3 miniatures sont diffusées en même temps à différentes personnes. Et là, il y a un pourcentage. Quelle est la miniature qui plaît le plus ? Je vous ai demandé de rester jusqu'à ce moment, maintenant, où je vais vous mettre le résultat, comme vous pouvez le voir, tel que nous l'avons, comme on appelle ça, le back-office de YouTube, résultat du test de comparaison. Donc vous avez quoi ? Vous avez donc un ouvrage qui était de début de semaine dernière où vous aviez les 3 miniatures que j'avais mises. Donc la miniature que vous avez vue, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est YouTube et c'est vous qui avez décidé quelque part. Donc j'avais mis au choix 3 miniatures, la miniature de la pelote et le crochet et 2 autres miniatures avec les ouvrages. Et comme vous pouvez le voir, votre choix s'est porté sur la miniature où il y avait donc la pelote et le crochet. Comme vous pouvez le voir, c'est donc écrit bien en gros « gagnante », désormais visible de tous. Alors, bien évidemment, on n'a pas le couteau sous la gorge. Bien évidemment, je ne ferai pas en sorte de me retrouver avec une chaîne faite que de miniatures avec une pelote et un crochet. C'est pas ma façon de faire. Bien évidemment, je vais forcer, je vais retirer cette miniature. Je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà fait. Vous pouvez aller vérifier sur la chaîne. Donc, j'ai laissé uniquement la miniature avec l'ouvrage. Mais comme vous pouvez le voir, le choix, votre choix en tant que personne qui avait décidé de cliquer a été de cliquer sur cette fameuse miniature qui était donc le paquet cadeau. Voilà. Donc je peux comprendre que c'est un peu comme des votes pour on va dire par exemple pour des élections, on n'est pas tous d'accord sur la même chose, donc vous allez bien évidemment dans les commentaires me dire oui mais moi je suis pas d'accord. Bon, alors sachez, calmons-nous, sachez que comme je vous dis, vous le savez, vous me connaissez maintenant depuis assez longtemps. Pour celles qui sont là récemment, vous avez bien vu que je change généralement très très vite la miniature, mais je vous laisse ce plaisir de ce paquet cadeau puisque c'est ce que vous aimez. Et ça fait 2 mois que je vois que effectivement, quand je mets les 3 miniatures, c'est toujours la fameuse miniature avec la pelote et le crochet qui vous plaît, parce que tout simplement, c'est un petit peu un petit soupçon, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas, bien évidemment, comme je vous dis, le soir, le lendemain, ou plus tard, je vous mettrai, bien sûr, la vraie miniature. Mais vous aurez toujours cette petite sensation de matin de Noël, où il y aura toujours une surprise. Alors, c'est assez amusant, parce qu'on pense toujours que les créateurs de contenu sont responsables des choses. Et là, vous avez une preuve qui est donc YouTube, qui fait donc des tests, qui fait ça pour vous en fait, hein, qui fait ça pour savoir ce que vous aimez le plus. Alors, bien évidemment, on pourrait laisser ce que YouTube a décidé. YouTube l'a décidé désormais visible de tous. Ayant enlevé cette miniature, elle n'y était plus. J'aurais pu très bien laisser et me retrouver avec une chaîne très très bizarre, uniquement faite de pelotes et de crochets. Voilà. Donc, tout simplement, c'était une petite réflexion sur quelque chose dont vous me posez la question, le pourquoi du comment. Dieu merci, la majorité
ont compris, me connaissent et savent que je change rapidement pour ne pas vous chafouiner. Mais sachez que vous êtes responsable du plaisir que vous prenez à avoir votre petit cadeau empaqueté. Et là, en l'occurrence, chaque fois que je vous sors des vidéos. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était pour moi une vidéo assez amusante à prendre vraiment au second degré, s'il vous plaît. Sachez que ce n'est que du plaisir pour moi que de faire ces tutos et que ça prend du temps pour moi de faire les miniatures. Donc, je pourrais faire qu'une seule miniature, ça serait beaucoup plus simple. Mais je prends le temps d'en faire trois parce que ça me fait plaisir, parce que ça me plaît, tout simplement. Et que je ne changerai pas le fait que très rapidement, vous aurez toujours la miniature avec l'ouvrage et la miniature avec le nom de l'ouvrage. Sur ce, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Je ne verrai pas vos réponses avant ce soir parce qu'aujourd'hui, c'est journée petits-enfants. Je vais aller me faire taquiner parce qu'ils sont très forts pour ça. Ils sont pires que leur grand-mère et ça, c'est terrible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, à demain, pour un nouveau tuto. Ce n'est pas celui-là, hein. C'en est un autre. C'est un tuto qu'on a vraiment besoin, vraiment. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment le tuto qu'on a besoin. Quand vient le printemps, quand vient l'été, c'est indispensable. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.